à Biltine, le peuple tchadien a repris encore MPS Barra, Idrissabi Barra, ANS Barra. Est-ce que c'était croyable il y a un an ou deux ans? Le peuple tchadien a changé. Le peuple tchadien a mûri. Le peuple tchadien a choisi. Le peuple tchadien, dans sa détermination, a décidé que le 10 avril, il y aura un changement. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Paris. 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 Le changement, les Tchadiens en ont besoin et Inch'Allah, il aura lieu. Nous devons prier Dieu. Nous devons prier Dieu pour que Dieu nous assiste jusqu'au bout pour mettre fin à 26 ans de sous-développement, 26 ans d'assassinat et de crimes économiques, 26 ans de vol, 26 ans de détournement et de piège de bien compris la série, 26 ans d'état informel, 26 ans de mercenariat, 26 ans de maladie et de famine. Oui, 26 ans sans école, 26 ans sans route, 26 ans sans électricité, 26 ans sans eau, 26 ans de conflits intercommunautaires, 26 ans de conflits éleveurs-agriculteurs, 26 ans de chômage des jeunes et d'abandon de la jeunesse. Ans de promesses non tenues, 26 ans de liberté confisquée, violée, 26 ans d'élections truquées et volées et j'en passe. Ce régime décidément est caractérisé par le vol. Et nous disons partout où nous sommes passés et les gens l'ont compris. Celui qui est né voleur, celui qui grandit voleur, celui qui est éduqué voleur, celui qui pratique le vol toute sa vie, celui qui va mourir voleur. Et le vol est la caractéristique principale du MPS. Ils ne savent que voler, détourner, piller le pays. C'est ce qu'ils ont fait pendant 26 ans et nous allons mettre fin à ça avec vous. Avec vous, arrêtez. Jeunesse tchadienne, c'est toi qui seras à l'avant-garde de dimanche. C'est toi qui vas mettre fin à ce régime de prédation. C'est toi qui vas faire en sorte que le pays retrouve son unité, son rassemblement, pour que ensemble on se développe. Notre projet, c'est ça. C'est d'unir les Tchadiens. La première tâche qu'on va entreprendre, c'est d'unir les Tchadiens.